Ah mince, j'ai pas choisi de top. Ça, c'est pas un gros stream. Accélère aussi. C'est quoi ça? Ralenti. Même recommandation, sinon c'est pas drôle. Vas-y, pas drôle flashback. Mais je recommence parce que vas-y, pauvre Magsen. Du coup, maintenant je suis prêt, c'est bon. Les réglages, c'est bon. Ok, je suis prêt. Attends, mais j'ai un anti-patinage ou... Non, non, j'ai pas. J'ai que l'étrage, ok. Ça y est, bouge Ericsson. J'arrive, j'arrive, j'arrive.
pas très très bien. Est-ce qu'il y a son moteur? Ouais, moi je suis fou. Voilà, ça devrait aller. Pas comme le chien. Genre, je suis tout beaucoup moins à l'aise. Oula. J'étais beaucoup moins à l'aise. Il y a beaucoup plus à penser. Ça va, j'ai un petit droit, un petit flashback. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est une vie rare, quoi, ça. On est. Ouais, mais j'en fais rien. Ce qui est bien, parfois, il faut un peu s'y faire. Quand je flashback, j'ai le retour de force. Ouais, ouais. Col. Ça fait des mal, bien sûr. Easy. Nouvelle victoire sensationnelle pour Williams. Sensationnelle pour Williams. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. Leur monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. J'aperçois à présent les pilotes qui approchent. C'est une performance collective digne de louange et le fruit d'un travail de longue haleine. C'est Williams qui l'emporte aujourd'hui. Parce
pas très compliqué cette course. Voilà. Petit meilleur temps et tout. Les qualifications vont bientôt commencer. Monza. Bon, c'est